chaîne 2, la FM Leader sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Écoutez la différence. La chaîne 2 sur le net, c'est www.ortm.ml. La chaîne 2, la passion de servir. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Midi sur notre pendule, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal-là. Au sommaire de cette édition, elle se nomme Fatoumata Thiam, scientifique et titulaire d'un diplôme en ingénierie, système, réseau et télécommunication. Grâce à sa détermination, la jeune dame travaille aujourd'hui dans une grande société d'installation de réseau Internet en qualité de coordinatrice du projet. Dans le cadre des festivités du 8 mars, la journée de la femme, la rédaction de la chaîne 2 est partie à la rencontre de cette jeune dame. L'actualité internationale nous conduira au Sénégal, au Togo, Tchad et au Cameroun. Dans quelques instants, ces informations seront développées par Sori Ibrahim Traoré. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour les titres. Célébration en grande pompe hier au Palais de la Culture de la Journée internationale des droits des femmes. Aux côtés des femmes maliennes pour cette journée spéciale, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, était aux côtés de ces femmes, une marque d'attention saluée par les femmes qui se disent honorées. Le président de la transition dit compter sur les femmes pour faire du Mali Croix une réalité. Pour rappel, le thème national de cette 30e édition est « Représentativité des femmes à la vie politique et publique, enjeux, défis et perspectives ». Le chef de l'État a laissé entendre ce message fort. Si vous avez les femmes avec vous, vous avez le monde à votre portée. Oui, toujours dans le cadre des festivités du 8 mars, en célébration de la Journée internationale des femmes, l'Ordre des femmes notaires du Mali a également offert au centre Djigiabon des kits alimentaires. Ce centre est dédié à l'accueil des jeunes filles orphelines. Le don comprenait des sacs de riz, de sucre, d'huile et bien d'autres fournitures essentielles. Plus de détails dans ce journal avec Awa Sidibé. Des sacs de riz, des bidons d'huile, du sucre, des pâtes, des cartons de savon et bien d'autres articles composent le don offert par l'Ordre des femmes notaires du Mali aux jeunes filles du centre Djigiabon. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes le 8 mars. Il vise à apporter un soutien précieux aux adolescentes et aux enfants du centre. Maître Mariam Malé Diallo, présidente des femmes notaires du Mali. C'est un centre qui est dirigé par une dame qui s'appelle Madame Sidibé Mariam. Depuis plusieurs années maintenant, elle prend des enfants au niveau de la pouponnière, elle les ramène ici, elle les encadre, elle les éduque, elle les aide à commencer la vie active. Et nous avons trouvé que c'est une très belle initiative qu'il faut encourager. C'est pour ça qu'en tant que femme notaire, pour la journée internationale du droit de la femme, nous avons décidé de venir ici les aider. Donc nous leur avons apporté des contributions matérielles, financières et on est venu leur apporter un soutien moral. Depuis au moins une dizaine d'années maintenant, on choisit un centre chaque année et on va aider des personnes démunies. Créé en 2004 avec 13 filles, le centre Djigiabon accueille de nos jours 80 filles âgées entre 5 à 22 ans. Cette donation vient apporter le sourire aux résidentes de ce centre. Balo Alima Balo, assistante de la directrice du centre Djigiabon. C'est pas tous les jours qu'on reçoit ce genre de don, donc je suis vraiment heureuse. Ce geste permet au centre de survivre. La remise de dons est ponctuée par des échanges dynamiques entre femmes notaires et enfants sur la profession du métier de notaire, démontrant aux jeunes filles que toutes les possibilités leur sont accessibles. Les filles du centre ont ajouté une touche particulière à cette cérémonie à travers des pas de danse, suivis de témoignages inspirants d'anciennes bénéficiaires. Oui, après les femmes notaires, voici cette fois-ci l'association des femmes Benkola qui vient d'initier une journée de célébrité dans l'enceinte de la mairie du district et du musée de Bamako. Le but est de donner un nouveau visage à ces établissements. Le compte-rendu, Aïssata Ditkumba Kane. Coup de balai, des gants en main, les femmes de l'association des Benkola sont enroulées dans la poussière, tout ceci pour un seul objectif, rendre les locaux de la mairie du district et du musée de Bamako plus propres. Les coins et recoins et même les entourages ont changé de visage.
Une activité qui entre dans le cadre des festivités de la journée dédiée à la femme. Sogona Fofana, présidente de l'association des femmes de Benkoula. C'est de coutume chez nous. Chaque 8 mars ou panafricaine, on commence par nous-mêmes d'abord. On nettoie la cour de la mairie et puis les devantures de la mairie pour montrer aux autres femmes que nous, on est là pour assainir la ville de Bamako. Une pratique simple et bénéfique, car qui dit propriété parle de santé. Le président de la délégation spéciale de la mairie du district encourage les initiateurs. Bala Keïta. Les dames de la mairie ont montré, l'association Benkoula, montré que l'exemple, ça vient d'abord de la mairie. C'est bien beau de dire aux citoyens de la ville, soyez propres, nettoyez, mais il faut bien que les dames de la mairie même montrent l'exemple. Selon la présidente de l'association des femmes Benkoula, d'autres activités d'assainissement sont prévues à travers le district de Bamako et cela jusqu'à la fin du mois de mars. Oui, je le disais dans les titres, en marge du 8 mars, la journée mondiale des droits de la femme, la rédaction de la chaîne 2 est partie à la rencontre d'une jeune dame. Elle se nomme Fatoumata Thiam, scientifique et titulaire d'un diplôme en ingénierie système réseau et télécommunication. Grâce à sa détermination, la jeune dame travaille aujourd'hui dans une grande société d'installation du réseau Internet en qualité de coordinatrice de projet, un poste qu'elle est la première femme à occuper à ce jour au sein de l'entreprise multinationale. Fatoumata Thiam, jeune scientifique au parcours inspirant. C'est un portrait signé Modibo Sidibé. Âge 27 ans, profession coordinatrice de projet. Un métier qu'elle exerce grâce à un diplôme d'ingénieur en système réseau et télécommunication obtenu dans une université de la place. C'est là, après un bon moment de réflexion sur un choix de formation après l'obtention de son baccalauréat en 2015. Fatoumata Thiam. Après avoir fait une licence en informatique, j'ai essayé de voir les différents débouchés de l'informatique. Bon, il y avait plusieurs options. Les télécoms m'ont parlé. Et puis aussi, j'ai toujours été curieuse de découvrir qu'est-ce qui se passe derrière le téléphone. Ce diplôme va faciliter son recrutement par une grande entreprise multinationale d'installation réseau fibre optique, ce qui va permettre à Fatoumata Thiam d'installer chez les particuliers les réseaux Internet. Pour Thiam, être femme et travailler dans ce milieu réservé à une grande majorité aux hommes n'a pas été chose aisée. Sa curiosité et sa soif d'apprendre vont même la pousser à demander à son employeur de l'affecter dans une unité uniquement réservée aux hommes. Quand je commençais ce travail, je faisais des installations chez les clients. On appelle ça FTTH. Donc le département de déploiement, c'est eux qui se chargent des travaux du point de branchement jusqu'au bout. Donc ça, on appelle ça les grands raccordements. J'ai été la première femme à aller dans ce département. Et c'est cela qui tenait tout le monde. Scientifique engagée, la jeune Fatoumata Thiam nourrit des ambitions politiques. Le plus grand rêve est de devenir un jour présidente de la République. Et pour cette journée dédiée aux femmes du monde, Fatoumata adresse un message à celles du Mali. Les femmes comprennent que cette journée du 8 mars est une commémoration du résultat d'une lutte qui a servi à nous donner aujourd'hui accès à beaucoup de choses, à pouvoir éviter la marginalisation des femmes dans la société. En attendant de devenir la présidente du Mali comme elle le souhaite, la jeune dame espère continuer à percer dans son domaine et permettre à sa petite sœur scientifique, future ingénieure, d'être un jour des références dans tout le Mali. Midi passé de 9 minutes, nous ouvrons ainsi la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, la page internationale, c'est avec Ibrahim Sori Traoré. Bonjour Ibrahim Sori Traoré. Bonjour Benoît Fofana. J'espère que vous êtes confortablement installé. Oui, confortablement installé Benoît. Ok Ibrahim, nous partons pour le Sénégal, un nouveau gouvernement pour organiser la campagne et l'élection. C'est un gouvernement resserré avec 34 ministres, à l'image du ministre de l'Intérieur, Mohamedou Mokhtar Cissé, jusque-là directeur de cabinet de Macky Sall, qui aura pour mission d'organiser l'élection présidentielle. Ce gouvernement aura pour mission de gérer les affaires courantes jusqu'à l'élection dans un peu plus de 2 semaines, alors que la campagne a déjà démarré hier vendredi 8 mars. Les candidats ont 14 jours de campagne au lieu des 21 prévus par la loi et qui, pour la première fois, aura lieu pendant le mois de Ramadan.
Au Togo, Ibrahim Traoré, de nombreux hommages pour les obsèques du colonel Toussaint Bitala Madjoulba. Oui, la dépouille du colonel Toussaint Bitala Madjoulba a été inhumée hier en présence du président Fornia Simbé et des membres de son gouvernement ainsi que des officiers de l'armée togolaise. Une foule nombreuse est également venue dans le village natal du colonel Toussaint afin de lui rendre un dernier hommage. Suite au décès du colonel, les enquêtes avaient permis au tribunal militaire de condamner en novembre 2023 sept personnes, dont le chef d'état-major général de l'époque et le chauffeur de la victime, à de lourdes peines de réclusion. Direction le Tchad, l'activiste Béradine Mberdey aux mains des services de renseignement. Le président de l'Organisation tchadienne des droits humains, Béradine Mberdey, se trouve depuis deux jours aux mains des services de renseignement tchadiens. Ce militant des droits humains et virulent critique des débits père et fils a connu la prison à plusieurs reprises et a toujours été gracié. Cette fois-ci, il a été interpellé dans des circonstances plutôt troubles dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour boucler cette actualité internationale, nous partons pour le Cameroun. L'Alliance pour la transition politique, nouvelle offre politique d'opposition, entend fédérer autour de l'idée d'une transition civile. Conduite par l'opposant Olivier Bill, l'Alliance pour la transition politique dresse son rapport d'étape deux mois après le lancement de cette offre politique. Elle entend fédérer autour de l'idée d'une transition civile au terme de l'actuel mandat du président Paul Biya, et ceci dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Un peu plus d'une trentaine de leaders politiques et associatifs ont ainsi été contactés. Au moins 10 d'entre eux ont déjà marqué leur accord, selon la liste communiquée par l'Alliance pour la transition politique, et de laquelle émergent aussi quelques curiosités. Voilà, Benoko Fofana, l'essentiel de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup, Ibrahim Traoré, pour toutes ces informations. Sport, basketball, la finale de la Supercoupe du Mali se joue ce soir au Palais des Sports, Salamatou Maïga. À 16h, le stade malien de Bamako joue contre le Djoliba AC en dames. Et en messieurs, le stade malien de Bamako affronte l'AS Real de Bamako à partir de 18h. A noter également que ces rencontres marquent l'ouverture officielle de la saison 23-24 de la Fédération malienne de basketball. Football, les huitièmes de finale de la Coupe du Mali démarrent ce samedi avec deux matchs au programme. À 15h30, l'AS Real de Bamako reçoit FC La Paix de Ségou. Au même moment, Binga FC jouera contre AFE. Les matchs se poursuivent demain, dimanche. Voilà, c'est tout pour les nouvelles sportives. Actualité, le thermomètre affiche sur Bamako environ 38 degrés Celsius. Le maximal attendu sera 42 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h42 minutes. Voilà, chers auditeurs, à midi passé les 30 minutes sur notre pendule. S'achève ainsi notre édition présentée par Benoît Fofana. Mise en onde Pendadao, mise en ligne Sekou Traoré. Réalisation Mamadou Doumbia, Omar Sissoko. Coordination Salmata Dao, Aminata Konaté. Merci, chers auditeurs, et prenez soin de vous.